Et voilà, on en a terminé avec les couleurs de base. Et du coup, bah, on va pouvoir s'attaquer au lavis avec notre bon vieil Agraxor Shade. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour un petit tuto qui va parler matériel. Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, quand on fait des décors, on utilise beaucoup, beaucoup plus de peinture et de lavis que sur une figurine. Et utiliser du Agraxor Shade sur un bâtiment ou sur un terrain équivaut à peu près à se chauffer avec des billets de 50 euros dans la cheminée. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fabriquer son propre lavis du Agraxor Shade pour beaucoup beaucoup moins cher que chez nos amis Citadel. Allez, c'est parti! Alors, pour comprendre comment fabriquer du lavis, il faut déjà comprendre ce qu'il y a dans du lavis. Alors, dans du lavis, pour commencer, il y a un médium de peinture qu'on va retrouver dans toutes les peintures acryliques, quelles qu'elles soient, ainsi que d'autres types de peintures, type aquarelle ou gouache. Ensuite, on va avoir un additif fluidifiant qui va permettre que la peinture non pas s'attache au modèle, mais coule dans les creux. Et ensuite, ben naturellement, on va avoir besoin de pigments. Parce que ben, sinon, vous avez juste un liquide transparent. Donc, une base en médium, un additif fluidifiant et des pigments. Voilà de quoi on va avoir besoin. Du coup, pour réaliser notre lavis, on va avoir besoin de différentes choses. Tout d'abord, du médium fluide. C'est du matte médium de chez Le Franc-Bourgeois. Je crois 7 euros en magasin. Ici, on a de l'additif fluidifiant, Liquitex, je crois que c'est 6 euros. Et enfin, on va avoir besoin d'encre qui vont nous servir de pigment. 5 euros l'encre environ. Donc, si on met ensemble, on en a pour une petite trentaine d'euros. Mais avec ces différents produits, on va avoir la possibilité de fabriquer une quantité astronomique de lavis. Et du coup, ce sera bien plus économique sur des grosses quantités. Alors, on va s'intéresser aux quantités, justement. Donc, j'ai utilisé ici un petit réservoir de 60 millilitres. On va remplir complètement avec les différents produits et on va voir ensemble comment faire ça sur les prochaines étapes. Alors, concernant les quantités et les proportions, j'ai un petit peu travaillé à l'essai et à l'erreur. Donc, on va commencer par le médium. Pour une quantité de 60 millilitres, on va verser 25 millilitres de médium. Le médium est assez épais et assez opaque. Il va être nécessaire de le diluer. Donc là, j'ai de l'eau déminéralisée. Et on va ajouter à peu près la même proportion, donc 25 millilitres. Et 5. Voilà. On a donc notre quantité qui est déjà de 50. Ensuite, on va prendre notre fluide ici et on va ajouter de la même façon. J'utilise toujours une seringue pour avoir les quantités exactes.
Et pour ceci, on va avoir besoin d'un peu moins de 35, enfin 3,5 millilitres. Voilà. Ensuite, on va passer aux encres. Donc, pour faire du agrax searché, j'en utilise deux différentes. Tout d'abord, une terre d'ombre brûlée transparente. Et ensuite, c'est noir carbone. Avec un juste mélange entre les deux, on va avoir une pigmentation et une couleur assez proches de celle d'Agraxor Shade. N'oubliez pas de bien mélanger avant d'utiliser. Au niveau de terre d'ombre, je recommande une quantité de 4,5 millilitres. Voilà, environ 4,5 millilitres. Je rince bien ma seringue pour ne pas mélanger les produits. Et au niveau du carbone black, on va en ajouter. Millilitres. Et maintenant qu'on a tous nos produits mis ensemble, nous allons naturellement fermer le flacon et ensuite secouer jusqu'à avoir tous les produits bien mélangés. Alors forcément maintenant, ça va être intéressant qu'on a terminé de regarder la différence entre notre Agraxor Shade et le réel Agraxor Shade. Voilà pour le nôtre. On voit que c'est un peu opaque mais bien fluide. Et de l'autre côté, un petit peu moins opaque, mais la fluidité est assez proche. On a une petite différence de couleur, on peut toujours rajouter un petit peu de terre d'ombre brûlée, histoire d'avoir quelque chose de plus proche. On va passer au vrai test. Sur le petit muret qu'on s'était fait, je vais faire un côté avec notre formule et l'autre côté avec du Agraxor Shade. Ça va nous permettre de faire la comparaison. On voit que comme avec du vrai Agraxor Shade, ça coule bien dans les creux. La même chose avec l'Agraxor Shade. Alors, on voit que le Agraxor Shade accroche un peu moins les pierres et les parties plates. Ça peut paraître important à ce stade, mais sachant qu'on ne s'arrête jamais au niveau du lavis, sur le résultat final, on ne verra pas du tout la différence. Voilà, le premier côté séché et le deuxième côté séché. On voit que sur le côté Agraxor Shade, on a des démarquages un peu plus importants. Par contre, les creux sont tout aussi bien marqués d'un côté comme de l'autre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réaliser un brossage à sec, histoire de voir sur un résultat final. Pas grand chose à dire à ce niveau-là, j'essaye de mettre le brossage à sec de façon assez uniforme entre l'avant et l'arrière,
pas forcément juste en suivant les arêtes, mais aussi en frottant la partie plate des pierres, histoire de voir vraiment quels sont les endroits qui ont bien été touchés par le lavis. Voilà, donc j'ai rajouté quelques mousses afin de rendre le bâtiment finalisé et comme on voit à ce niveau-là, il n'y a pas de grosse différence entre la partie avant et la partie arrière, donc je dirais que ce agrexorché de maison est un succès. Et voilà pour ce petit tuto. Comme vous l'avez compris, réaliser son propre lavis n'est pas si compliqué que ça. À partir de la base incolore qui correspond à du lamia médium de chez Citadel, oui, sur ça aussi, vous pouvez faire pas mal d'économies. On peut créer n'importe quel lavis à partir de différentes encres. Pour un null oil, par exemple, il suffit de mettre un petit peu de carbone black. Et je vous laisse tester pour créer celui qui vous sera le plus utile. J'ai parlé de l'économie et on va faire un petit peu de matelas. Le produit qu'on utilise le plus est le mat medium. Donc pour celui-ci, à 7 € les 120 ml, mais je suis certain que vous pouvez en trouver du moins cher que ça. Puisqu'il faut 25 ml pour 60 ml de lavis. Si on ramène ça à une bouteille d'Agraxor Shade, on est à 10 ml de produit, soit un 12e du prix. L'ensemble des produits qu'on a achetés revient à, je crois, environ 29 €, ce qui signifie que pour une quantité équivalente, notre seul pot de Agraxor Shade maison nous est revenu à 2,40 €. C'est plus que ce que j'avais dit, hein, parce que c'est sans compter qu'il nous reste assez des autres produits qu'on va rentabiliser au fur et à mesure. Donc j'ai compté que sur le terme, notre lavis nous revient à moins d'1 € une fois qu'on a utilisé les autres produits jusqu'au bout. C'est donc clairement intéressant si vous commencez les décors. Maintenant qu'on a de quoi baigner 1 m² de terrain sous une mare d'Agraxor Shade maison, c'est l'heure de parler du futur de la chaîne. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de m'essayer à des décors de grande dimension. Et comme vous avez pu le voir à la fin de ma dernière vidéo, j'ai fait un essai modèle réduit pour voir si j'avais les compétences. Et c'est donc avec plaisir que je vous annonce le lancement d'un projet de décor qui s'étalera sur plusieurs épisodes et où on apprendra ensemble toutes les techniques pour mener à bien ce type de projet. De la conception jusqu'aux dernières touches. Ce sera mon projet le plus ambitieux et le plus gros. Je partagerai régulièrement sur le sujet sur mes comptes Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant. D'ici là, portez-vous bien, bonne peinture à toutes et à tous, à très bientôt.